Marqué. Ouais, marqué parce que ça fait mal. Ça fait deux... Moi, honnêtement, c'est le deuxième match, le championnat a commencé, on est toujours à 0 points. 0 points, voilà, quand on a envie d'accrocher quelque chose, envie de faire une belle saison, et bien, quand tu as 0 points au bout du match, ça fait toujours mal. Donc, il ne faut pas se désunir, il faut rester encore soudé. Se retrouver, c'est dans la difficulté qu'on retrouve peut-être une grande équipe, qu'on retrouve des hommes. J'espère qu'on va l'être en se déplaçant en France. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. On pourrait passer par, par la conquête, comme dans la conservation, comme dans le jeu, comme au niveau de la discipline, sur le nombre de fautes commises. Tout est mauvais. Donc voilà. Donc voilà, mais dire aux joueurs qu'il fallait qu'on soit voilà, que on a fait un mauvais match, l'ensemble du groupe sportif, et voilà, ces joueurs, c'est tout le monde, et nous aussi. Et voilà, donc on va essayer de. On va voir comment rebondir par rapport à ça. Maintenant, on va voir si on a des qualités humaines. Vous savez, ça se voit quand on est dans des difficultés. On voit les gens qui arrivent à réagir, les gens qui arrivent à rebondir, et puis ceux qui lâchent. Donc voilà. C'est pas le soir demi-finale à Marseille comme les qualités humaines des gens. C'est sans doute aujourd'hui quand on est en difficulté. On a vu que Julien était très marqué. Tu as senti le groupe dans le vestiaire un peu. Oui, je crois que tout le monde est humilié. Les joueurs se sentent humiliés. Un petit sentiment de honte. On a aussi ce sentiment-là. On le partage. On partage tout avec les joueurs. Là aujourd'hui, on partage tout avec les joueurs. On a partagé leur succès l'année dernière, et évidemment, on partage leur détresse sur ce match. Voilà, il faut qu'on arrive à le partager pour rebondir. Je suis pas Madame Soleil, et on sent les choses. C'est vrai que j'espérais autre chose. Voilà. On est fragile, très fragile. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de positif aujourd'hui, Fabien. Au Racing, tu avais vu quelques trucs là, aujourd'hui rien, ouais, quoi. Au Racing, on s'était accroché, mais non, là. Non, c'est pas très. C'est moyen. Très moyen. Comment ça se fait, Fabien, qu'il me met un peu d'envie? Je sais pas, à chaud, je peux pas vous répondre. On se prépare, je sais pas, j'ai pas les clés. On va essayer de les trouver pour ce qui arrive, mais. Compliqué là, compliqué. C'est un match très particulier, on a été pris de partout, surtout l'engagement, le physique. On a fait beaucoup de fautes de main et voilà, beaucoup de crispations. Donc ça nous a permis de ne pas rentrer dans le match. Et après, chacun a essayé de faire la sienne. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a rien qui a fonctionné. Donc voilà, il faut se remettre en question. On passe par une période difficile. Et le week-end prochain, on va au Stade français. Donc il va falloir remettre le bleu de chauffe et cette fois le mettre dans le bon sens, parce que faut stopper un peu l'hémorragie, parce que voilà, c'est le deuxième match et déjà on se met la pression en perdant à domicile. Voilà, on va se resserrer, on s'est dit des choses dans les vestiaires, et j'espère que ça va fonctionner le week-end prochain. Qu'est-ce qui s'est dit, Johan, à la mi-temps? Parce que déjà à la mi-temps, on sentait la mal parée. Hein. Oui, voilà, à la mi-temps, on s'est dit que c'était une chance pour nous, parce qu'on méritait d'en prendre 20 à la mi-temps. Quoi. On est match nul à la mi-temps, c'était inespéré. Donc on s'est dit il faut partir de l'avant, et d'entrée de jeu, on reprend 3 points. Donc ouais, rien qui a fonctionné, voilà, impuissant. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il manque de cohésion dans l'équipe? Parce que vous n'êtes pas suffisamment bien entraîné? Parce qu'il manque de l'ardeur? Non, je ne sais pas. Je crois que chaque joueur a envie de bien faire, que ce soit les anciens, les jeunes, les nouveaux. Mais voilà, je crois qu'on se précipite un petit peu, on n'arrive pas à poser notre jeu, on envoie un peu des ballons un peu partout à la baballe, au lieu de poser un peu plus le jeu face à une défense de Brive qui était agressive, on a tombé beaucoup de ballons et on se fait contrer. Voilà, je crois qu'il faut revenir sur des choses un peu plus simples, et comme on se disait dans les vestiaires, se resserrer un peu plus et aller de l'avant, parce que c'est que le début de championnat, il reste pas mal de matchs. Donc il faut faire le dos rond et avancer.